C'est Lorena et Mel, les gens se trouvent pour une vidéo, mais pas dans le game, pour une vidéo unboxing d'un craquage de Pacific Pen. Je sais pas, oui, on a fait un craquage. J'étais avec un pote. Lui, c'est, ça va, il s'est raisonnablement... Enfin, voilà, quoi, il est raisonnable. Alors que moi... voilà, quoi. Donc, on va commencer par ce qui a été acheté avec le scalpel magique. On s'en rappelle, hein, dans la vidéo Skeleton. N'hésitez pas à aller la voir. Donc, il s'est acheté la même chose que moi de la 1310 centième. Voilà, donc je vous l'unboxer. Hop, donc ça c'est la sienne. Tu m'en voudras pas? C'est bien, bon, d'accord. Donc voilà, c'est la X-Lite. Voilà. La Powercast. Donc c'est une très bonne tresse, donc je vais conseiller celle-là. Après, moi je me suis acheté des petits Savage Gear comme ça. Il s'est acheté les mêmes. Ceux-là, ils sont pas chers. Je les ai payés 2,62€ les 4. Ce n'est pas cher du tout, hein, clairement. C'est du 5 grammes et ils sont en 7,5 cm. Donc, je fais un cut et on se retrouve après. Je les ai ouverts. Top 9 mal, j'ai mis 10 minutes à les ouvrir. Ça va le dire. On va se calmer, non? Bon. Waouh. Ils sont beaux, hein. Alors, je vais vous présenter ça. Alors, petit leurre de chez Savage Gear, super bien détaillé. Grosse caudale. Elle est fine, la caudale. Bien allongée. Fais le focus. Voilà. Donc, petits yeux. Voilà. Et on voit bien les nageoires de tous les côtés. Magnifique. C'est magnifique, ça. Bon, après j'ai fait, je viens d'écrire aussi un catalogue, le guide de mer, bon bah voilà. Ensuite on va passer à ça, donc ça en fait c'est un protège téléphone, en gros c'est ma mère qui me l'a offert. Bon c'est l'ouvrir, même si c'est un protège téléphone, hein, c'est pas... Il m'a coûté 5€, voilà je vous dis les prix, la tresse ça m'a coûté 10€. C'est mon pote derrière la caméra, c'est lui qui se l'est payé, voilà, mais elle coûte 10€. Alors, comment ça s'ouvre? C'est noté derrière. Ok. Je n'y arrive pas, ce n'est pas grave. En tout cas, bon. Je l'ai ouvert, j'ai réussi et j'ai regardé le tuto. Donc en gros, là, on va venir tourner les petits machins là qu'on voit. Dans quel sens, voilà, et voilà, comme ça, et voilà, et là on met le téléphone. Bon, petit budget, mais quand je pars à la pêche, c'est pas très bien. Ensuite, j'ai acheté des têtes plombées Texan en 3,5 grammes. Donc, c'est Decoy qui fait ça, un sabot. Donc voilà. Si vous entendez des respirations fort, voilà. Donc je les ai payés 6,40€ les... Il y en a 5, voilà. Bon. Ensuite, avant-dernier, article. Les petits Rhymes, c'est les Rock White, là, en couleur chartreux. Donc les têtes plombées, j'en ai pas sorti parce que c'est des têtes plombées normales. Mais ça, je vais l'ouvrir parce que bah, depuis tout à l'heure, c'est l'achat que vraiment depuis longtemps je voulais acheter. Et je l'ai enfin. Donc, voilà. Donc, le petit Rock Vibe. Donc, il y en a 20 dedans pour 6,99€. Il y a beaucoup d'attractants. Ça sent la moutarde. Voilà le petit Rock Vibe. Tu sais, tu peux parler à haute voix, hein. C'est pas grave si on voit pas les paquets. Donc, voilà. Donc, je vais remettre... ça. Voilà. Petit Rhymes. Tout petit. Il y a de l'air. Il faut dans le kayak. Et après, on passe au dernier article. Et en gros, c'est vraiment le craquage. Là, jusqu'à là, j'ai pas dépassé mon budget. Mais là, j'ai dépassé mon budget. J'ai craqué pour le...
Evoke Irony. Voilà, 2008. Petit bon idée, hein. Je vais l'ouvrir tout de suite. C'est... Il fait 190 grammes. C'est un taille 2000. Voilà. Donc, on va unboxer ça tout de suite. Vous êtes prêts? Vous regardez? Vous regardez? Wouah! Il est tellement beau! Donc, ça. Donc, bon. On va poser ça. On regarde ce qu'il y a dans le fond. Alors, il y a. Il y a rien d'autre. Il y a la notice. Ce qui est assez pratique. Même si c'est pas très bien sorcier. Hein. Non. Ok, bon. Tout petit. Wouah! Bon, on va serrer ça. Il est tout petit, tout petit, tout petit. Faut bien le serrer. C'est bon. Oh. Pick-up. Oh. Ça partirait pas sur des vidéos pêche, ça? Oh, si, si, si. Alors, regardez. Il est tout petit. Regardez la taille de ma main. Il est tout petit. Alors, donc ça, c'est bien. Il a un petit défaut. Non, il faut que je m'y fasse. Donc ça, c'est en mousse. Donc c'est super agréable. Je pense qu'on doit transpirer au bout de 2-3 heures. Donc la bobine, elle est toute petite. Petite. Voilà. Le pick-up. Wow. C'est un peu flou. On s'en fout. C'est sûr. Ouais. Voilà. Il est beau, hein. Voilà. Donc, petit leurre. N'importe quoi. Petit moulinet qui m'a coûté 29 euros, 30 euros. Donc, je vais vous montrer ma canne parce que je ne vous l'ai jamais montré. En même temps, on en profite, hein. Donc, voilà. Donc, c'est une canne de chez je sais plus quoi. Alors, elle est 2m10. C'est 3,15 grammes. Voilà. Donc, je vais vous montrer. En plus, il est en rouge. Le moulinet, comme ma canne. On visse ça. Bon, j'ai pas mis la deuxième partie parce que sinon ça rentre pas dans ma chambre. Voilà. Le magnifique. Ah, il est beau, hein. Petite animation. Bon, on va mettre le deuxième brin. On va pas être aligné, mais bon, c'est pas très grave. Hop. Voilà. Pouah. Allez. Waouh! Il est tout petit, mon idée, comparé à ma cam. Bon, je pense qu'on va faire la fin de vidéo ici. Grâce à mon magnifique caméraman, la caméra va tomber. C'est bon. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et abonnez-vous. C'était Loan d'Animal et mon cadreur, c'était. Coucou! Oh, j'ai fait niquer. Peace!